Oh mon dieu, au secours mes oreilles! Oh la vache, oh le son qui est puissance 1000 déjà, qu'est-ce que ça commence bien. This game... Oh, pas eu le temps de dire. Ah, oh, enfin ça s'est arrêté. Ah, eh bien, ça fait du bien. Ok, non c'est bon, j'ai pas besoin d'appuyer sur un autre bouton, c'est bon. Bien, bien, bien. Donc du coup, salut tout le monde, on se... Ah, attendez, il y a une intro. C'est Futurama, le jeu! Bah oui! Futurama, The Video Game, sur PlayStation 2! Eh bien, salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur donc Futurama, le jeu vidéo sur PlayStation 2. Jeu sorti il y a quelque chose comme une quinzaine d'années, un peu plus de 15 ans, je crois, même. Futurama, je ne vous présente pas, hein, le dessin animé célèbre. Créé par Matt Groening, qui est également le créateur des Simpsons. Un jeu que je n'ai jamais joué, hein, c'est... Là, on part pour un nouveau let's play. Ouais, en ce moment, on les enchaîne, hein, entre ce jeu et quelques autres que je vous propose en parallèle actuellement. Ou tout du moins que je suis en train de les enregistrer en même temps en parallèle. Bah, Futurama, j'avais déjà entendu parler de ce jeu à l'époque, mais j'y avais jamais joué. Et... J'avais quand même envie d'y jouer déjà à l'époque, mais bon, au final je me l'étais jamais pris, je me suis dit bon, mieux vaut tard que jamais, cette fois-ci on va tenter l'expérience, on va voir ce que vaut réellement ce jeu, et on va le faire, je me suis dit tant qu'à faire, en let's play, en mode totale découverte, ensemble, et on va voir un petit peu de quoi il en retourne, si ce jeu est bon ou pas, de ce que j'ai pu lire, bon, à l'époque le jeu, il n'a pas été non plus super bien accueilli, on va dire... C'était un peu mitigé, voilà. C'était un peu kiff-kiff. Il y a des gens qui ont plus ou moins apprécié le jeu, et il y en a d'autres qui l'ont un peu descendu. Donc à l'époque, quand le jeu était sorti, les avis étaient assez mitigés. Mais comme j'aime à le dire, avec les années qui passent, avec le temps, l'opinion qu'on peut se faire d'un jeu évolue. Et apparemment, ce Futurama fait partie de ces jeux-là. Qui avec le temps, bah, l'opinion a un peu évolué. Aujourd'hui, apparemment, ce jeu est un peu plus apprécié. On va voir ce qu'il en est. Je vous cache pas que, néanmoins, des critiques que j'ai pu lire sur des... Que j'ai pu lire... Oui, merci Bender. Je l'ai vu. Par rapport, j'allais dire, donc, à certaines critiques que j'ai pu lire sur certaines reviews, sur certains tests d'époque quand le jeu était sorti. L'un des problèmes de ce jeu serait le gameplay qui serait un petit peu hardcore, alors pas à l'image de Getaway, j'ai envie de dire, où vraiment Getaway c'était chaud quand même. Le premier Getaway il avait un gameplay mais exécrable, hein, pourrait-on dire. Futurama ça devrait pas être non plus à ce point là, mais on n'en serait pas trop loin apparemment de ce que j'ai lu. Mais bon, écoutez, on va pas se faire d'idées préconçues, on va se lancer tout de suite dans la game et on va se faire directement une idée par nous-mêmes. Tout simplement, options, voyons vite fait dans les options, vibration, inversée, ouais, non, bah on va laisser tel que c'est, ça a l'air pas mal, supplément jambon, fromage, bacon, quelque chose, non, film, musique, galerie, d'accord, bon, classique, d'accord, bah, on va se lancer du coup dans une nouvelle game, hein. C'est parti les gars. Les Quen Dumen de Glacnar. C'est quoi les Quen? Les Quen du même? Mais qu'est-ce que c'est que c'est des... J'aime bien déjà l'écran de chargement, ça commence bien. Planet Express. J'ai une bonne nouvelle, les amis. J'ai vendu Planet Express à Mom. Pourquoi ce chapeau excentrique? Hein? Quoi? Oh, ça! Oh. Oh, comme ça! Bizarre. Vraiment bizarre. Vous êtes complètement fou, professeur! Comment avez-vous pu vendre la société à Mom? J'étais bien obligé, on perdait de l'argent. Peut-être que la livraison d'un seul paquet à la fois n'était pas la meilleure stratégie, je l'admets. En plus, il n'y en a pas un parmi vous qui faisait payer les clients. Ouais, on est vraiment désolé. Désolé. Oh, c'est tordant. Oh, baliverne! Je n'ai pas l'humour comme ça si tu qu'on change le monde. Ça m'a manqué. Le monde va
changé. Depuis l'acquisition de Planète Express, l'horrible môme possède maintenant la moitié de la Terre. Ce qui fait d'elle l'impératrice suprême. Vous avez remarqué comment Fry semble toujours allumer la télé au bon moment? Contre toute attente, le reporter semble ravi du sombre destin promis à la race humaine. La situation est vraiment grave. Nous rejoignons maintenant en direct Mom qui va faire une déclaration. Oh, pas de panique, les amis! En fait, je ne ferai qu'un seul changement. La planète Terre sera maintenant la planète Terre de mort. Hey, chouette! Vous êtes tous mes esclaves. Et tous ceux qui ne se présenteront pas avant le couvre-feu ce soir seront exterminés par des soldats tueurs robopters. Oh non, encore une histoire de couvre-feu. Ah non, c'est bon, ça casse les couilles, y en a marre là. C'est bon. Bon, d'accord. Avec le recul, je n'aurais peut-être pas dû lui vendre Planète Express. Je n'ai pas dû reculer assez. Eh bien, la planète Terre n'est plus un lieu sûr. En tant que commandant, je propose qu'on déguerpisse. Je suis d'accord. Amen, chère sœur. Au vaisseau! C'est un running gag, ça. Si vous avez déjà regardé Futurama à l'époque... Non, le vaisseau est hors d'état. Qui a bien pu faire une chose pareille? Ce coup-ci, c'était pas moi, je vous le jure. Peu importe, il faut réparer le vaisseau et vite. Leila, commence donc à taper sur le panneau de contrôle. C'est comme si c'était fait. Bender, tu vas détendre le vaisseau pour lui redonner sa forme initiale. Oh là là, pourquoi c'est toujours moi qui dois m'occuper des trucs à détendre? Et Fry, tu... Mais qu'est-ce que tu sais faire exactement? Je peux dire l'alphabet en rotant. Non, attendez. Oh, j'ai une mission pour toi, Fry. Trouve un marteau. Oui, chef. Oh, putain. Ah, j'aime bien déjà comment ça commence, là, ce début d'épisode, là. On est purement, clairement dans l'univers, dans l'ambiance Futurama, l'humour Futurama. Ah, ça me rappelle des souvenirs de l'époque, quand ça passait à la télé. Ah, j'adorais ce dessin animé. Surtout le personnage de Bender, notamment. Je vérifie juste si le son est ok. C'est bon, on est good. Ok, on est tipard. Attendez juste. Je dois faire un dernier petit truc. Hop là. Voilà, c'est bon. Alors, au niveau des touches. D'accord. Rond, ça sert à sauter. Et bah, c'est tout. J'ai l'impression. Ok, bon, pour l'instant, il y a juste la touche rond qui sert à sauter et le reste des touches ne servent à rien. On va voir du coup. Si ça, en progressant dans l'histoire, ça permet de débloquer des fonctionnalités pour les autres touches. Sous une énorme bille de dangereux gravats. Ah, bah parfait. Ah bah, j'imagine du coup... Oula, la caméra, attendez, what? C'est inversé? Ah, c'est un peu pas très intuitif du coup. Ouais, si je prends le marteau, j'imagine que je vais tout faire tomber sur ma gueule. À tous les coups, ça va être ça. Attendez, je vais baisser un peu le son que j'ai dans les oreilles parce que c'est un peu fort pour le coup. Voilà. Bah attendez, on va essayer, on va voir. De toute façon, on est au début du jeu, donc... Je suis sûr que ça sent le game... Ah bah oui, bah je vais mourir. Je m'en doutais, mais je le savais. Merci d'avoir joué à Futurama. Merci d'avoir regardé ce let's play. Rendez-vous très bientôt pour la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu étais écrasé sous 2 tonnes de débris. Et tu es mort. C'était vraiment drôle. Tu aurais dû voir ça. Je ne comprends pas. Si je suis là-bas mort, qui suis-je ici? Tu es aussi toi. Grâce à ma dernière invention, le réanimateur. À chaque fois c'est que un tu grippin, meurs, en fait. Il fait automatiquement une copie conforme de toi en se servant de tes radios, d'un échantillon d'ADN et d'un prélèvement provenant de l'intérieur de tes baskets. Wow. Quand vous avez inventé ça? Il y a à peu près une semaine. Et depuis, j'essaie en vain de te tuer pour le tester. Alors, c'était comment la mort, Fry? Bah, d'abord, tout est devenu noir. Et puis, il y a eu une lumière blanche. Et j'ai entendu... Fin de partie. Ah, au fait, professeur, voici le marteau pour lequel je suis mort. Ah oui? Oh, bah tu peux garder cette horreur. Je t'ai demandé d'aller le chercher pour que tu ailles voir là-bas si j'y suis. D'une certaine façon.
Maintenant, si tu veux chercher les outils dont j'ai vraiment besoin, trouve ceux qui manquent sur le tableau de rangement. D'accord. Lesquels manquent-ils ? Tous. Ils sont tous quelque part dans le bâtiment. Sans eux, je ne peux pas réparer le vaisseau. Faut que tu cherches tous. Et les ranger dans génial, place. Putain. No problemo. Bon. Du coup, je pensais que c'était le game over, mais au final, non, c'était prévu que ça se passe comme ça, en fait, au final. X pour utiliser le marteau, carré, pourquoi ? Faire quoi ? Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Coup rapide, coup fort, ah, c'est ça ? Je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. X, c'est coup rapide, et carré, c'est coup fort. Logiquement, c'est ça, du coup, si j'ai bien compris. Ok, très bien. Alors à chaque fois que je touche au son, du coup, hop là, je vais recliquer sur la fenêtre du jeu pour pouvoir retrouver le contrôle du personnage. On est y part, par contre, j'avoue, le maniement... Ah ouais, non, effectivement, hein, c'est un peu comme je vous disais là au début de la vidéo. C'est un peu spécial, hein, c'est le maniement, ça, je sens que ça va être un peu périlleux. Hein, c'est la caméra a tendance un petit peu à bouger d'elle-même des fois sans qu'on le veuille. C'est pas très intuitif. Je dois vous dire en toute honnêteté, c'est pas très intuitif. Manette en main... Aïe aïe aïe, oh la vache, oh la vache. Et en plus on dirait qu'il y a comme des sortes de ralentissements des fois, ça aussi j'avais lu comme quoi apparemment c'était un problème qu'avait le jeu. Parce qu'à un moment je m'étais dit, c'est pas l'émulateur, parce que oui forcément avant de faire ce premier épisode j'ai fait quelques tests histoire de savoir si tout fonctionnait bien. Il y avait quand même des sortes de petits ralentissements comme là on en a là, je sais pas si vous l'avez dans la vidéo. Est-ce que je peux éclater ça ? Mais en fait, c'est pas l'émulateur ou quoi qui fait ça, non, on peut pas l'exploser, c'est vraiment le jeu qui est comme ça. Déjà à l'époque, il y avait apparemment des remarques qui se faisaient par rapport à ça, dans les différents tests que j'ai pu lire. Donc c'est vraiment le jeu qui est comme ça, ce qui peut être assez chiant. J'espère que ça sera pas trop récurrent néanmoins, que cela ne nuise pas au plaisir de jeu. C'est ce que j'aime. Oh, j'ai gagné 1$, yes. ça doit certainement servir à quelque chose. On va pouvoir acheter des trucs par la suite. On verra ce qu'on peut obtenir. On peut passer par là ou pas ? Non. Ah, si, je peux taper ? Non, attendez, il m'avait dit... Ah, je peux... Oh, le casier de Léla. Ah non, c'est le casier de Fry. C'est le casier de Fry. Ah ouais, il est red dingue de Léla. On voit que... C'est marqué quoi ? Pour passer au point de vue subjectif, appuyez sur la touche R3. Pour retourner au point de vue objectif, appuyez de nouveau sur la touche R3. D'accord. Ah, d'accord. D'accord. Alors du coup, genre, un petit magazine de gros boulons, hein, dira-t-on, comme ça, voilà, comme ça tout simplement, une petite photo de Léla. Et ça c'est quoi ça ? C'est du Swerp, c'est une canette de cette boisson là qu'il aime bien boire à chaque fois dans tous les épisodes là, du Swerp, je sais plus trop comment ça s'appelle. Sympa. Ah, je peux ouvrir le casier de Bender, je crois. Oh, il y avait 3$ dans le casier de Bender. Oh, c'est le saligo. Le saligo. Le sacripant. Je savais qu'il cachait des thunes dans son casier. Alors, la même chose. Des magazines de gros boulons. Mais pour robots. Regardez-moi cette. ce schéma d'un circuit fermé. Oh, si c'est pas d'un bandant, ça. Ah, il y a qu'un robot qui pourrait bander dessus. oh oui. Ok, il y a le mec, là, l'acteur là du... Je sais plus comment ça s'appelle, on avait vu là dans le casier de Bender, là, l'acteur de la série hyper connue, là, genre l'équivalent des Feux de l'amour, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Utiliser le marteau pour casser la serrure pour... Non, appuyer sur X pour utiliser le marteau. Ah oui, non, mais ça va aussi, oui. Ah, le casier de Léla. À ramasser une clé pour pour passer au point de vue subjectif. Oui, mais ça je sais, mais j'aimerais savoir plus exactement ce que j'ai ramassé en vrai. Bon, dans le casier de Léla, il n'y a pas grand chose. Par contre, j'ai toujours du mal à m'y faire avec cette caméra. Hein. C'est vraiment pas intuitif. Hein. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Malheureusement, on peut pas changer le sens de la caméra. En fait, pour le mettre, vous savez, en inversé, non inversé, il n'y a pas ça dans les options. D'ailleurs, bah, vous avez pu le voir hein, avant que je lance la partie. Du coup, c'est un peu relou. J'ai vu. Ah. Yes, on peut ouvrir la porte. Alors, on va essayer d'avancer un peu plus vite, voir ce qu'on peut Bender trouver. Bender a encore dû s'amuser avec la chaudière. Mieux éviter de marcher en machin. Ouais. Il y a. Comment il s'appelle ? Smurfy, je crois qu'il s'appelle, là. Une sorte de. Le concierge, je crois que c'est. Qui, lui, par contre, bon, bah. Il s'est calé dans un coin au calme et il fait son petit roupillon. Il dit bon, ça, c'est pas mon problème. C'est inondé. Bah, les couilles. Bah les couilles, ça c'est pas mon blème. Alors comment on va faire ? Mais saute, nom de Dieu !
Non ! Oh la vache ! Je sens que ça va être périlleux. Je peux rien faire avec ça ? Bah, apparemment non. Je peux rien faire. Nom de Dieu ! Oh là 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 là. Oh là 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 là, putain. Hey, là, c'est, là, on va faire une séquence de plateforme là qui va être bien galère là. Oh là là, je sens, mon Dieu, que ça va être galère. Ok. Ok, ok. On y va. Oh putain, c'est bon. Ah, parce que le maniement, je vous jure qu'il est spécial là. Il est vraiment spécial, hein, le maniement. Heureusement que ça coule pas en plus. Parce que si en plus ça serait en train de couler. Oh, mais ta mère, non! Vas-y, saute, jump, jump, jump. Voilà. J'ai récupéré quoi? Ah, un des outils du prof. Ok, nice. Alors, j'ai 0 nibbler sur 1. Je dois trouver nibbler aussi. C'est de la bouffe pour nibbler, un truc de genre là. Je sais pas trop. Bon, je peux recentrer la caméra en appuyant sur R3 à chaque fois. Ça, c'est nice. C'est nice. Bon, c'est un peu chiant quand même parce que ça met du temps, mais ça va. Ah oui, c'est la vapeur qui m'avait blessé tout à l'heure, d'accord. J'aurais mal demain. Bah, c'est con de se faire blesser par de la vapeur quand même, quoi. Genre, ah merde, c'est chaud, j'ai mal. Oh putain, ouais. Recentre-toi, voilà. C'est bon, c'est bon, nice. Je pouvais interagir avec l'autre ou. Je suis pas sûr, j'ai pas envie de prendre le risque à tous les coups, je vais me faire mal si j'essaye. On va passer par où. Par où peut-on passer. Non, ça c'est par là d'où je suis venu. Non, merde, retourne, non, retourne là-bas, Fry. Retourne là-bas. Je pense qu'on va tomber sur les autres personnages du dessin animé également au fur et à mesure qu'on va avancer dans le niveau, je pense. Bon. C'est bon. Ça, à tous les coups, ça nous aurait blessé. Ça, c'est... Attendez, pour communiquer. Ah, d'accord, une machine pour se remettre de la santé. Ah, ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool. Ah, c'est sympa. Et en plus, ça nous prend même pas de sous. Genre, on n'est même pas obligé de dépenser un dollar pour le truc. Oh, mais c'est génial, c'est une machine à boisson gratuite. C'est trop cool, ça. C'est du Slurm. Voilà, c'est ça le nom de la boisson là que Fry, il adore dans le dessin animé. Du Slurm. Je me souviens, dans un épisode, il en avait tellement bu qu'il était devenu fluorescent, en fait. Alors, par où peut-on aller? Vas-y, on va passer. Hop. Ah, c'est le grippin qui m'a réanimé tout à l'heure, ça. Oui, je m'en souviens. Ok, on peut casser les boîtes. Temps. Alors, tout ça pour pas grand chose au final. Il y avait un truc là. Oh, il y avait un dollar. Un dollar, il y avait un dollar. Génial. Oh putain, la caméra, je vous jure, les gars, c'est chaud. Hein. La caméra, c'est un truc. Hey, excuse-moi, Bender. Je savais pas que t'étais là. Je le jure. Hop, je te laisse tranquille. Je me demande si je réouvre la porte, s'il va dire la même chose. Hey, ah ouais, dommage. Non, il dit pas une autre phrase. Bon. Qu'avons-nous ici? Rien, rien. Ah, si, si, il y a un dollar. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut acheter avec les dollars qu'on va ramasser, mais on va voir ça plus tard, du coup, par la suite. Ah, attendez, attendez. Je peux entreposer la pièce que j'ai récupérée, là, non? Pour rendre l'outil. Si, ah ouais, ouais, je la vois. Maintenant, elle est affichée sur... Attendez, mais... Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 outils encore à trouver. Oh putain la vache, ça risque d'être long hein. Ah ouais, merde. Oh putain. On est encore qu'au premier niveau du jeu hein, et je pense pas que l'histoire principale du jeu soit retrouver tous les outils du prof quoi quand même. Ce serait un peu, en termes de scénar quand même, bon, on pourrait s'attendre à mieux quoi. Ça m'étonnerait que ça soit ça quoi. Est-ce qu'on a un peu d'interaction avec le vaisseau? Non, 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 apparemment non. Absolument pas. Je peux sauter sur le vaisseau ou pas? Non, apparemment non plus. Bon, écoutez, on va retourner sur nos pas. Ah, il y avait une interaction. Yes, un dollar. Un petit dollar qui fait plaisir. Un petit dollar, on va repartir de l'autre côté. Est-ce que je peux interagir avec l'évier vite fait pour savoir curiosité? Ah, attendez, oui, on peut. On peut, on peut. Plus 5 points. Je donne plus 5 points à ce jeu. Car on peut interagir avec l'évier. Alors, let's go. Oh putain, j'avais oublié qu'il y avait ça. Par où peut-on aller ici? Il y a un truc là, non? Casse-moi ça. Merde. Casse-moi ça. Voilà. J'ai récupéré quoi? À ramasser une boîte à outils. J'ai ramassé un extincteur surtout en fait. Bon, je sais pas à quoi ça pourrait nous servir.
J'essaie de... Non. On peut pas changer d'arme, non, ou quoi, non. Peut-être que c'est pas considéré comme une arme, en fait. Ce que j'ai ramassé, je sais pas, on va voir. On va voir si on peut l'utiliser ailleurs, notre extincteur, si on peut l'utiliser ailleurs. Ah, j'ai récupéré un des outils du prof, génial. Ça c'est cool. Ouh, il y a de l'argent, j'aime l'argent. Donne-moi l'argent, de l'argent. Oh, yes, la YouTube money. Alors, j'imagine réparer qu'on peut faire couler l'évier. C'est nice, on peut ouvrir le frigo. Oh oui, oh, et il y a un outil, je crois que c'était... Je suis pas sûr. Pas sûr que c'était un des outils du prof, mais on a récupéré quelque chose. On va voir ensuite ce qu'on a là. Ça sert à quoi? J'ai pas compris. D'accord. Là, je peux activer l'hologramme. D'accord. Je visite un petit peu, je regarde un peu tout ce qu'on a dans les alentours. Mais au moins on peut vraiment se balader là dans le. On va dire dans la caserne de Planète Express. C'est vraiment cool ça. C'est comme si un petit peu bah, si vous pouviez vous balader dans la maison des Simpsons, vous voyez, c'est un peu le même bail en fait. C'est vraiment cool ça. De l'argent, encore de l'argent. Ah, par contre également que. Le fait que le bouton saut soit le bouton rond en fait de la manette, c'est un peu pas très. Enfin contre-intuitif, voulais-je dire. Parce que bah, d'habitude c'est plutôt le bouton X qui sert à sauter dans les jeux là pour le. C'est le bouton rond, allez savoir pourquoi. Ah, interaction. Voyons voir ce qu'on a là. Ah, on peut ouvrir les volets. C'est cool. Tu peux allumer la téloche ou pas? J'ai l'impression qu'on peut, mais. Ah si, voilà. Ah merde, on n'a pas canal. C'est con, dommage. Je crois qu'en plus c'était sur canal que ça passait à l'époque, Futurama, non? Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'était ça. Hop là, un petit coup de slurm si jamais on a besoin de récupérer un peu de life. Ah, on a récupéré encore un des autres outils manquants, ça c'est cool. On va récupérer un doublard. Pour l'instant c'est plaisant, bon on fait pas bien grand chose, hein, on se balade surtout, mais bon, j'ai envie de dire ça reste cool quand même, on peut visiter un petit peu, encore une fois, la caserne de Planète Express, c'est bien sympathique. Alors c'est là-bas que j'ai pas compris, alors je crois que c'est un truc, ah attendez, j'avais pas fait gaffe, mais ah, il y a le prof et elle est là qui sont en train de bosser sur le vaisseau là-bas. Hey coucou, je suis là, hey, je peux bien vous aider? Non, Fry, non, t'es gentil, non, regarde plutôt si, s'il y a pas un sandwich dans le frigo, j'en ai préparé un pour toi, je suis... Non, je suis... Fry, c'est pas le genre de gars, si vous avez regardé le dessin animé, hein, c'est pas le genre de gars, on va dire, qui est très intelligent, hein, loin d'être fut-fut, c'est, généralement, quand il touche à quelque chose, il le pète, hein, c'est plus, comment dire ça de manière gentille. Oh, un personnage adorable, mais plus une source de problèmes qu'autre chose pour les autres personnages. Mais c'est pour ça qu'on l'aime, Fry. C'est pour ça qu'on l'aime. est-ce que j'étais vu par là? Ah oui, non, mais c'est pour redescendre en bas, le con. Bah oui, non, bah remonte. Il y a des outils à récupérer là-bas. Ok, on est bon là. Peut-être même sauter sur la fusée, mais je crois pas que ce serait vraiment pertinent de faire ça. Bah, ah merde, bon ça va, ça retire vraiment pas beaucoup de vie en vrai. Hein. Je pourrais limite foncer dans le tas. Hein. Ouais, de toute façon, il y a des canettes de slurm un peu partout là, des distributeurs un peu partout pour se récupérer de la life en vrai. C'est vraiment pas un souci. C'est marqué quoi? Utilisez le marteau pour casser le couvercle du ventilateur. Ah, c'était un des outils, ça? Pour sauter et appuyer vers le haut pour sauter en l'air. Quoi? Appuyer vers le haut pour sauter en l'air, saisir... C'est-à-dire... Ah, d'accord. En fait, si je mets le joystick vers le haut, il s'agrippe également au rebord. D'accord. Non! Oh putain la vache! Ça a failli mal se passer! Oh, je m'en fous, je me prends des dégâts, j'en ai rien à secouer. Hop là, on a récupéré un
encore un outil, un seau d'eau, pourquoi pas, why not. On va un peu de maille encore. Je sais, il doit nous manquer encore quelques outils, je crois pas qu'on aille tout ramasser, mais il doit nous manquer encore quelques trucs, je pense. On va descendre à partir d'ici, je pense. C'est pas trop, ça va, on perd pas de vie. Putain, quelle caméra de merde. On aurait peut-être dû aller voir le prof et Leïla, je ne sais pas. On pouvait interagir là. Ah ouais, non, c'était pour ça, oui, d'accord. On va reposer les outils qu'on a ramassés, on va voir, on en a ramassé combien. Oh, on en a ramassé pas mal. On en a ramassé pas mal. Il manque quoi, la pince, là, la grosse pince. Et deux autres objets. Il nous en manque trois, en fait. Il nous en manque trois. Les trois, ils doivent être, bah, du coup, à l'étage du bas, là, à l'étage où on est actuellement, et on a dû les louper. Ça devait être de l'autre que dans une autre partie du building. D'ailleurs, est-ce que j'étais... Ah, putain, mon Dieu, cette caméra. Vas-y, va par là. On va boire un petit peu de slurm au passage. Ici, on est déjà allé. Hop là, hop là, hop là. On va se faire boire un petit coup de slurm. Hop là, ça fait du bien. Un peu de slurm. On en prépare un autre si jamais... Ah bah, il l'a mis direct. Un autre slurm si jamais on en a besoin. Alors, j'étais passé par où? J'avais pris l'ascenseur là-bas, et voilà, c'est par là que j'étais pas allé. Parce que là-bas, je crois que... Oui, par là-bas, j'étais déjà allé, en fait. Donc, c'est par là que je dois aller... Oh, putain de merde, wow. Alors, ah, bah, voilà la pince. Voilà la pince. Est-ce qu'il y a de l'argent là-dedans? Oui, il y a de l'argent. $1. Il y a quoi là-dedans? Il y a un cœur? Je peux pas le péter? Oh, dommage, bon. Je crois qu'on peut pas le péter. Ça, je peux le péter? Ah, je peux interagir avec. Oh, il y avait $1 dedans. Je crois que ça doit être les poubelles, en fait. On jette de l'argent dans les poubelles, maintenant. Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Tu m'étonnes que cette entreprise fait faillite. Ah, on peut passer. Ça, c'est nice. Ça, c'est nice. J'ai récupéré quoi? Une clé. Bon, je sais pas à quoi ça va servir, mais j'en avais déjà trouvé... une dans le casier de Leïla tout à l'heure, mais bon, on va voir à quoi ça pourrait bien être utile. Ok, il nous manque plus qu'un outil à trouver normalement, je crois, c'est ça. Il me semble que c'est ça, on en a déjà trouvé deux. Par contre, cette caméra, mon Dieu. Alors, c'est par là. Vas-y, vas-y. Oh là là, mon Dieu, mais cette caméra, bordel, ça... C'est relou, hein, je vous avoue. Ah, c'est Hermès. Salut Hermès, ça va? Pas très causant, le Hermès. Oh là, mais attendez, mais il est pas dans son assiette, Hermès. Ah ouais, non, en fait, il y a... Je crois que c'est... Ah oui, le truc, là, qu'il a sur la tête, là, oui. Je me souviens, je sais plus comment ça s'appelle, ces trucs-là. Je me souviens dans un épisode de Futurama, justement, là, où il y avait ces sortes de choses vertes, là, qui prenaient un peu le contrôle de leurs esprits. Ah oui, oui. Ça, c'est une référence directe à un des épisodes de Futurama, ça. Alors, on va récupérer les thunes. Du coup, Hermès, je teste tes réflexes. Hermès? Ouais, non, je déduis que t'es pas en très bonne santé. Je vais devoir contacter le docteur Zoidberg. Il va falloir qu'il t'ausculte d'un peu plus près. Sinon, mon augmentation, on en parle ou... Non? Non? D'accord. voyons voir ce qu'on a là. Encore... du bifton. Ah, le dernier outil. Bah, c'est bon, on les a tous récupérés. Hein. Là, c'est bon, hein. Je crois qu'on a fait le tour. Hein. On va récupérer juste $1 qui se trouverait ici. Voilà. $40 déjà, c'est pas mal, c'est pas mal. En fait, il y a pas mal d'interactions quand même. Enfin, pas mal de tiroirs à ouvrir dans le jeu. Et souvent, bah, ça cache des dollars, en fait. Bah, ça devrait ravir le Hooper. Le Hooper qui aime bien ouvrir tous les tiroirs qu'il y a dans un jeu et surtout quand il y a des choses à ramasser dedans. et ensuite, bon, on peut pas interagir avec Hermès, donc bon, on va y aller, hein, je pense directement. Ouais, non, on peut rien faire, je crois. On peut rien faire de plus, ouais. Ouais, j'essaie d'interagir avec... What the fuck? Putain, je me suis fait agresser par sa putain de machine. C'est quoi ce bordel? Ouais, non, bah du coup, on va sortir, hein. On va s'éloigner de cette zone de malheur. On va aller par là pour voir. Oh, du bifton, ça fait plaisir.
On ramasse encore un peu de thunes. Ah, on peut pas sortir. Ouais, non, on ne peut pas. Tout du moins, pas tout de suite. Ah, j'ai récupéré un outil. Ah, il nous en manquait un encore, en fait, du coup, finalement. Bah, là, on les a tous, normalement, je pense, du coup. Là, on a dû tous les récupérer. Hop là. Impec. On est full life. On a récupéré tous les objets. Donc là, je pense qu'on peut terminer le niveau maintenant. Bah, c'est parti, let's go. On va terminer le niveau. Oh, attention, attention. On slalom, comme si, comme ça. Voilà, j'aurais pu sortir par l'autre côté, j'y pense, je suis con. C'est pas grave. On y est. On replace tous les outils. Parfait. Et voilà. Tous mes outils sont rangés à leur place, même ceux dont je n'avais pas besoin. Ceux dont vous n'aviez pas besoin. Oh, malheureusement, il y a une pièce que je n'ai pas pu réparer. Pas le moteur à matière noire, pas le moteur à matière noire. Le moteur à matière noire. Oh merde. Mais n'avons-nous pas de moteur de secours? On en avait un, mais on s'en servait jamais. Il traînait dans un coin, alors je l'ai échangé. Échangé? Mais contre quoi? Contre ce que tout le monde veut en Amérique, un flingue. Ok, Fry, va chez le prêteur sur gaz et récupère notre moteur. Mais il y a le couvre-feu, des soldats robotaires patrouillent partout dans les rues. Ah oui, c'est vrai. Ben, il faudra que tu passes par les égouts. Hein? Et les mutants des égouts? Je t'ai donné une arme. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Arrête de faire ta fillette et mets-toi en route. Bon, bah on a fini le premier niveau en 30 minutes. Il était bien court finalement. Et ça promet pour le deuxième niveau du coup. Hein. Donc apparemment on va pouvoir sortir dans la ville et utiliser notre flingue. Welcome in USA, motherfucker. Alors, on a un petit débrief de ce qu'on a pu faire dans le niveau. On a trouvé 46$ sur 50, on a raté 4$, d'accord. Et on n'a pas trouvé Nibbler. Fallait trouver Nibbler à un endroit apparemment. Allez savoir. Je l'ai pas du tout vu. Bien, bien, bien. Bon, soit. On va continuer, du coup. Continuez, vous ne pourrez pas sauvegarder avant la fin du niveau. Ah, ah bon? Vraiment? Ah bah... On est à 30 minutes. Ouais, bon, ouais, c'est pas grave. Allez, vous continuez, oui. On sauvegardera là, après, à la prochaine. Tricurieux. Tricurieux. Oh. D'accord, je vois. C'est sexuellement ambigu, tout ça. Parce que c'est quoi? Il y a être épicurien, mais il y a également être tricurieux. Ah, on est dans les égouts, en fait. D'accord. Ah bah oui, parce qu'on est... Ça sent comme... Comment ça s'appelle? Ce qu'on trouve dans les égouts. Peu importe. C'est effectivement, vu qu'on est descendu par le bas... Ah, mais on est limité en mun, on a un pistolet, mais d'accord. Maintenez carré enfoncé pour charger le pistolet. Une fois le pistolet chargé, relâchez le bouton. D'accord. Et pour tirer, c'est quoi? D'accord. X, c'est pour tirer. Carré, c'est pour recharger. What? Ah, d'accord, c'est pour faire un tir chargé, en fait. C'est pas pour recharger le flingue. Ça n'a rien... Ah ouais, non, mais absolument rien à voir, en fait. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Bon, bah, c'est parti, hein, on est y part. On va voir ce qu'on peut faire. Je peux tirer là-dessus ou pas, pour savoir? Oui, et ça fait une très grosse explosion. Ok. Ah ouais, et ça nous retire de la vie, d'accord. Tiens-lui dessus. C'est bon. On va essayer d'exploser ça. Non. Ok, y a rien, j'essaie de voir hein, s'il y a des trucs à ramasser un peu par-ci par-là. On va voir, bon, je vais pas tous les exploser, ça fait trop. Non. Oh putain, j'ai oublié de sauter. Oh putain de ta mère. Oh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Attendez, on va faire ça comme ça. Oh putain. Oh, c'est pas du tout intuitif. Oh mon dieu, que c'est pas intuitif. Ah ouais, c'est mieux de faire ça comme ça en vrai. Oh la vache, mais j'ai presque plus de balles, mon dieu. Je vais mourir dès le deuxième niveau, sérieusement. Oh, il est bugué.
4, 5. Ok, il faut 5 coups. Il faut 5 coups pour les buter, d'accord. 5 coups pour les buter. Est-ce qu'il n'y a pas de la life quelque part? Ah, j'en ai pas l'impression. On va peut-être tomber sur les parents de Layla, hein, ici, hein. Vu qu'ils vivent dans les égouts. Bon, ceux qui ont suivi le dessin animé savent. What the fuck, man? What the fuck, fuck? What the fuck, bro? Je suis mort. Bon, ça va, c'est pas grave, apparemment. Ah, il y a eu un checkpoint. Ça va. Ah, peut-être pas, peut-être pas. Ah non, on a recommencé depuis le début, en fait. Oh non, mais mon dieu, mais en plus, on... Mais tu m'énerves, mais what the fuck? Oh, c'est périlleux. Mais c'est... Mon dieu, que c'est périlleux. Mais mon dieu, que c'est périlleux. Aïe, 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 aïe. Il y en a un qui va pop là, je sais qu'il va pop là, je sais. C'est bon, reste tranquille, reste tranquille. Ouah, je comprends pourquoi le jeu il a quand même été pas super bien noté à l'époque, oh mon dieu. Non, 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 oh putain, je suis obligé de courir. Oh non, c'est horrible. Je vous jure, le gameplay est tellement ignoble. Ah mais c'est le nombre de vies, on est limité à 4 vies. Ah ouais, non mais merde, non mais on va pas y arriver. On va pas y arriver. Je vous cache pas, si je vois que c'est trop périlleux, on risque pas de faire un let's play finalement dessus, hein. Parce que le but quand on fait un let's play, c'est quand même de réussir à en voir le bout, quoi. C'est un peu le principe. Là je commence à m'inquiéter là, parce que là, oui, je pensais pas que le gameplay était à ce point là horrible. C'est bon, c'est bon, c'est bon, tu restes tranquille. Ok, ok. Faut vraiment... Putain. Faut vraiment y aller de manière attentionnée. Non. Oh putain, mais c'est quoi ces merdes là? C'est vraiment des gros tas de morphes de merde là qui nous foncent dessus, quoi. Attends, je sais que lui il va vouloir nous attaquer, ouais. Plus la tentacule là, je sais que la tentacule là, elle nous veut du mal là. C'est elle qui nous avait buté la dernière fois. Putain, elle s'est planquée. C'est bon, elle est là. C'est bon. Et les temps. C'est ces trucs là qui sortent des égouts. Oh putain, il y en a d'autres. J'avais pas vu. Vas-y, ressort, ressort, vas-y, ressort. Ressort. Par où on va aller? Par où? Par où? Par où? On va pas perdre de temps, on va aller par là, je pense. De toute façon, c'est le chemin qu'il faut prendre. C'est bon, on avance. Oh là, qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu. Ça va, il est totalement con. Il est totalement con. Parfait. Un ennemi là-bas aussi, on va essayer de se le faire. Je préfère utiliser ce mode de visée là parce que l'autre mode de visée il est vraiment, il pue quoi, c'est de la merde. C'est bon, son compte est réglé. Alors vous pouvez entendre en fond le thème de Futurama version remixée, qui est assez rigolote, hein, d'ailleurs. La porte doit être verrouillée là-bas à tous les coups, je pense. Donc on est obligé de passer par là. On va tourner la caméra dans ce sens-là. Ok. Attention, on vérifie qu'il n'y ait pas d'ennemis dans les alentours. Active ça, s'il te plaît. Sois gentil, Fry. Active ça. Voilà, maintenant la porte est ouverte. Maintenant, on peut se rendre là-bas. Putain, par contre, juste... Alors, ça commence un peu à m'agacer. Option. On va essayer. Si je fais ça, est-ce que ça fait quelque chose? Oui, j'accepte. Je m'en bats les couilles, j'accepte. On va prendre la partie. Je pense que là, ce sera peut-être un peu meilleur. Ouais, je pense que là, ce sera un peu meilleur. Je pense que ce sera un peu meilleur, comme ça. Enfin, j'espère, hein, on verra bien. On va tester comme ça, ça a ajusté, du coup...
en mode visé les directions du joystick droit, hein, ça les a mis en nom inversé. J'espère que ça va pas être encore plus contre-intuitif que ça ne l'est déjà, on va voir ce que ça va donner. Ok, on est pas mal. Oh, non, 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 oh putain de merde, non, oh, c'est pas vrai. Ça sent comme... Comment ça s'appelle ? Ce qu'on trouve dans les égouts. Oh génial, et il repop en plus quoi, mais c'était déjà pas assez quoi. C'était déjà pas assez comme ça. Sans déconner quoi, mais merde quoi. Oh non, j'avais bien joué là en plus là, relou. Et reste tranquille. What? Mais sérieux, il m'a donné une claque. Mais t'aurais pas dû, putain. Oh non. Ouais, prends ça, ouais. Ah, j'ai pas le time pour ces conneries, moi. Putain, putain. Oh, run, oh, run, oh, putain. Putain, allez, j'essaie de faire très vite, hein. Non, mais c'est pas vrai. Faudrait de la life là, là j'ai voulu foncer là rapidement pour récupérer le temps perdu mais j'aurais pas dû là, putain ce qu'il me reste de vie là, et en plus y'a même pas de checkpoint dans ce foutu niveau quoi. Mon dieu mais quelle saloperie quoi. Non. Putain. Il peut pas me toucher. Oh, il peut pas me toucher de là-bas. Il peut pas me toucher de là-bas. Il a pas cette portée, incroyable. Allez, cette fois-ci, on déconne pas, là. Putain, j'ai le seum, là. Comment j'ai fait pour crever ici, quoi? Mais merde. Allez, tu fais bien. Allez, oh, putain. Le moindre saut, c'est un stress dans le jeu. Dans les couilles. Et une dans la tête. Dans la tête, voilà. Pas se coucher. Oh, point de contrôle, Dieu merci. Pfff. Fais-moi de la life, fais-moi de la life, fais-moi de la life, fais-moi de la life. Oui, oui, wow, oui. Wow, c'est un boss lui. Wow, salut, salut, je me casse. Je me casse, je me tire. Oh, salut gros. Merde, je peux te faire avec le marteau ou pas? Ouais bon, c'est pas une bonne idée, je me tire, salut. Salut tout le monde. Putain. Là, je... Ok. Putain, j'ai plus de life déjà. Et j'ai presque plus de balles. Je sais qu'il va popper lui. Approche-toi, approche-toi, approche-toi. Quoi? Ça... C'est de la merde. C'est de la merde. Je lui ai fait un tir chargé, ça lui a rien fait. Ça lui a rien fait. Putain. Les études. Oh bah, mais oh putain, oh putain. Mais tape, t'as un marteau. Mais t'as un marteau, connard. Mais tape-le, mais utilise-le ton marteau. Mais mon dieu. Il veut plus utiliser son marteau. Il veut plus utiliser son marteau. Mais il a plus d'idées. Ah, c'est pas vrai. T'as un marteau, nom de Dieu. T'as un marteau. Je peux plus utiliser mon marteau. Non, mais. Mais comment je suis censé m'en sortir là? Putain, je comprends pas. Mais j'ai plus de mune. J'ai plus de mine. Ah, c'est comme ça que je peux changer de bordel. D'accord. Mais comment je peux me remettre des balles ou pas dans mon flingue là? Parce que là, c'est un peu la merde, hein, je veux pas dire, mais... Oh, attendez. Je crois avoir compris un truc. Il y a un mode pour viser. Attendez, attendez, je tiens à avoir le carnet.
décidé d'y aller comme ça. On run, on n'a pas le temps, on run. Oh non, oh la 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 la. Pouvez pas m'avoir d'ici. Pouvez pas m'avoir. Mais what the fuck? Mais c'est quoi ce délire? Mais pourquoi ce jeu est si dur? Ce jeu est horriblement dur. Mais c'est dingue. On va essayer de les esquiver, ceux-là. Non, mais clairement, je vois pas comment on peut y arriver. Hein. Hey, un Nibbler. Ok, j'ai récupéré un Nibbler, donc ouais, c'est bien. Il faut trouver des Nibblers dans le niveau, mon dieu de merde. Oh. Putain, c'est ce qu'on a l'impression d'être dans Resident Evil. Il faut esquiver les ennemis, quoi. What the fuck? Oh putain, pourquoi j'ai utilisé deux balles? Oh, j'en ai plus qu'une maintenant. Non, il faut pas que je merde mon shot. Hein. Ouais, c'est une évidence. Point de contrôle. Oh yes, merci. Point de contrôle. Oh putain, qu'est-ce que c'était horrible, mon dieu. Mais j'ai plus de vie. Je crois que si je meurs là, je vais devoir recommencer tout ce qu'on a fait. Oh putain, je sens que ça va être périlleux. Hein. Oh putain, une séquence de plateforme en plus derrière. Qu'est-ce que c'est génial, quoi. Oh putain de merde. Alors il ressemble un peu à une meuf, hein, de dos comme ça quand il descend l'échelle. Hein. Sa coupe de cheveux, de dos, avec le zoom qu'on a eu. Bon, on est parti. Ouais, faut pas se merder sur le saut. Non, prends pas l'échelle, s'il te plaît. Prends pas l'échelle. Par où je passe à droite, je peux, mais c'est... Oh putain, mais j'aime pas les phases de plateforme comme ça, mais ça a l'air tellement chaud, ça. Mais j'ai plus de balles. Mais il faut descendre en bas, je vois qu'il y a un truc à activer. De toute façon, faut activer un truc en bas, donc je pense que ça mieux vaut qu'on y aille comme ça. Oh putain. Oh, c'est chaud. C'est chaud. On va y aller comment... Hop, tac. Positionne-toi. Parfait. Ah, c'est là que ça peut être périlleux. Putain, c'est là que ça peut être périlleux. Oh putain. La concentration est optimum. Le moindre saut doit être calculé. Ok. Alors là-bas, ça sert à rien d'y aller. Ah oh, merde, c'est vrai, il y a ça. Mais comment tu l'actives, celui-là? Comment tu l'actives? C'est pas possible. Concentration. Yes, c'est bon. Ok, j'ai activé un truc. Est-ce que ça a enclenché quelque chose? Oh là. Oh là! Oh non! Oh. Je crois qu'on va recommencer le niveau depuis le début en plus. Oh, ça a l'air... C'est Futurama, le jeu! Oh mon dieu! Ne me dis pas parce que j'ai pas sauvegardé tout à l'heure que je l'ai dans le cul maintenant. Ah bah si, je l'ai dans le cul. Oh bah génial. Bah vous savez quoi les gars, finalement, quand je vois la difficulté de ce jeu, ou du coup je m'attendais pas à ça, mais quand je vois la difficulté qu'est ce jeu, finalement on va pas faire de let's play sur ce jeu. vraiment pas. Oh mon dieu, parce que autant Getaway, son gameplay était atroce pour le premier Getaway, mais autant le gameplay qu'on a là dans ce Futurama combiné, on va dire, aux sauvegardes qu'on a, qu'on progresse dans le jeu, on va dire, c'est un peu façon oldies, c'est vraiment, si t'as pas pensé à sauvegarder, c'est tant pis pour toi, et en plus de ça, bah,
si tu crèves pendant le niveau, bah tu sais, au bout d'un moment, si t'as plus de vie, bah tu te retapes tout le niveau depuis le début. Et déjà là, comme ça a été périlleux là de passer là, les différentes séquences. Oh mon dieu, hein, j'ai envie de dire, je comprends pourquoi ce jeu a reçu des notes quand même un peu sévères à l'époque quand il était sorti. Hein. Ah ouais, là, je comprends. Là, en ayant joué même pas une heure, je comprends. Bon, néanmoins, je vous avoue, ça me donne envie de recommencer. Hein. Je vais certainement réessayer de jouer à ce jeu-là prochainement. Mais ce sera pas en vidéo, ce sera en off, parce que je pense que si je dois faire un let's play sur ce jeu, ce sera sans fin, quoi. Ce sera des épisodes de 3 heures où je serai en train de rager certainement jusqu'à que j'arrive à passer les niveaux. Non, ce sera interminable. Donc finalement, on va oublier l'idée du let's play. C'est là que je dis ça et finalement, j'en fais quand même un, comme j'ai pu le faire avec le premier Getaway. Non, mais là, il y a peu de chance. Pourtant, on voit les images là qu'on a à travers cette petite vidéo là de démonstration. Il y a des niveaux là qui ont l'air quand même bien sympas là, comme celui-ci avec le Dr. Zoidberg là où on doit faire un peu d'obstacles, un parcours d'obstacles, des niveaux avec Bender également, on peut incarner donc plusieurs personnages différents de l'histoire de Futurama. Et en plus avec Leila on peut se battre directement à main nue. Ah, ça a l'air quand même pas mal hein, le gameplay a l'air quand même néanmoins d'être bien varié au final. Mais oh la vache mon dieu, mais le jeu. Oh le jeu il a l'air bien galère quoi, il a l'air vraiment. Vraiment dur. putain de merde. Bon bah les gens, on va se laisser ici du coup pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais jamais si c'est elle ou il à la fin quand je dis une vidéo. Bah oui, c'est féminin, c'est elle, bordel de merde, je suis con. Excusez. Bon, je reprends ma phrase et on va pas se remater la vidéo de démo vu qu'on l'a déjà vue. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne très bientôt rendez-vous donc pour la suite des let's play actuellement en cours et de nouvelles vidéos. En attendant, comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin du rock'n'roll et je vous dis salut tout le monde. Oh, j'y pense. What? On va se laisser. Ah non. Y'a pas un truc cool à mater? Ça c'est l'intro, ça, ouais. Y'a pas un truc cool? Ah, bah voilà, on va se mettre le DVD trailer de la saison 3. Voilà. Même si c'est déjà passé, y'a plus de 10-15 ans de cela maintenant. Allez, salut tout le monde. Start the countdown. Prepare yourself for the ride of your life. Let's rock. Where are we, the ass? Here comes Futurama Season 3 on DVD and video. I've heard of that. Who said I haven't? Now, take control of Planet Express and explore the galaxy with your brave and trusting crew. Abandoned ship! It's the ultimate adventure for every Futurama fan. In addition to 22 stellar episodes, uncover over 7 hours of extra features, exclusive 3D animation secrets, deleted and censored footage. Move your kid! Why, you mother you son of a town! Animatics and production commentary. No, help! And much, much more. There'll be a close-up on this video screen. So strap yourself in and get ready. Yippee-ki-yay! You'll never guess where I've been. Own Futurama Season 3 on DVD and video. Complete your collection today. Zoidberg qui chevauche le spermatozoïde de Fry. Putain. Ça, je l'avais totalement oublié. Oh, putain.